Bonjour tout le monde. Today, aujourd'hui, I want to do tomato mozzarella salad that I would never think I would make one on my channel. There is nothing easier than a tomato mozzarella, but if you add a little twist, so then it's becoming very, very interesting. And I just want to make a big thumbs up to this girl that she's a food blogger and she's just traveling all around the world. And everywhere she goes, she takes a little picture. She takes a little picture and show us all the nice place, food places that she goes to. And I found this mozzarella on her Instagram page. Her name is Let It Be. So Let It To Eat Be. Et vraiment, I really like her. So I said, I'm gonna do that with a twist from the twist, because it was really original. It was a burrata with the fried zucchini, some pine nut, and I'm gonna twist it also, but I'm gonna take it from there. Voilà. Pour les Français, je vais faire une tomate mozzarella that je croyais pas que j'allais la faire sur ma chaîne, mais j'ai trouvé cette fille sur Instagram qui s'appelle Let It Be et qui se balade autour du monde et qui fait son petit food blog très sympathique. Et la dernière fois c'était une burrata avec des courgettes frites et des petits pignons. Et c'était vraiment, ça m'avait l'air vraiment très très bon. Et j'ai dit, tiens, ben, c'est une bonne idée et je vais essayer de faire pas la même chose, mais avec ce que j'ai aimé, je vais représenter ma salade à moi. So, c'est parti, on y va. D'abord, je mets mon petit tablier. I'm putting first my little apron. Voilà. It's my new little... friend. So please, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, subscribe to my channel Frenchy Lady Cuisine, et aussi toutes mes recettes sont écrites juste en dessous de la des vidéos. So vous allez voir juste en dessous de la vidéo, vous avez une toute petite flèche. Et si vous cliquez sur cette petite flèche, vous allez voir la recette écrite dans toutes mes vidéos. Donc voilà, if you want the writing recipe, it's on my video just under in the description box. You'll have the recipe by writing. Let's get started.
Mata, des petites perles de mozzarella perle ou des la fraîche mozzarella en tranches, le gros pavé de mozzarella, ça n'a pas d'importance. You can use any mozzarella, you can use burrata, you can use the little pearl mozzarella, you can use the long one firm. The thing that I want to show you in this recipe is the dressing that I really like with this salad. I think it's a very nice dressing. It changed from the balsamic olive oil dressing, and also the little fried zucchini that we're gonna do to top the salad with. But after the rucola, you don't want to put arugula, no problem. You don't want to put tomato and leave it just with mozzarella and zucchini, no problem. You do however you like to do. Just prepare a pot with some oil, avec un petit peu d'huile dans une marmite. Et vraiment very thin, like potato chips. Très très fin, en rondelles. D'un tout petit peu de farine. We're gonna put a dash of flour. Si vous pouvez les mettre une par une, à peu près, hein, pour pas qu'elles se collent. Ça frit très très vite. C'est tellement fin. It fried very quickly. So you see, it really fried quickly. So you want them like that.